Et salut à toutes et à tous, bienvenue sur Planète Trippy, j'espère que vous allez bien. Écoutez, du coup aujourd'hui on va continuer notre périple sur Immortals Phoenix Rising. Donc voilà, on avait découvert la nouvelle zone lors de la partie précédente. L'antre de la guerre, et puis bah du coup j'allais continuer la quête principale là sur cette session. Donc voilà, on va aller parler à Arès, près de la forteresse. Puis après, bah du coup, on verra ce qu'on fait. Je pense que sur cette session, je vais me concentrer sur les quêtes. Faire celle-là, et puis après, j'irai sûrement faire celle-là aussi. Et puis voilà, puis on verra où on en est au niveau du temps. Bref. Alors, on doit pouvoir y aller en volant, je pense. Alors, par là-bas. Voilà. Alors, est-ce qu'ils sont... Ah, ils sont là. Ah, ressaisis-toi, l'ours. Tu n'es pas prêt. Rentre chez toi. Arès? Chut! Tu veux qu'on me capture? Je risque gros ici. Mais c'est ta forteresse? Je ne règne plus sur la basse-cour, souviens-toi. Tu seras le roi de ce château dès qu'on aura repris ton essence. Si c'est le cas, les dieux en feront des bons de joie. Aphrodite mariée à ce taré d'Héphaïstos. Enfin, il paraît qu'il peint avec les doigts maintenant. Et puis Zeus me déteste. Mais pas du tout. C'est juste que je préfère la stratégie d'Athéna, sa maturité, et puis la musique d'Apollon aussi. Ah, oh, on dirait mon père. Arès, regarde-toi là. Le voilà, le vrai toi. Tu te moques de ce que les gens pensent. Tu agis. Tu rases des villes entières quand tu n'obtiens pas ce que tu désires. Tu protèges ta famille et ta population aux dépens de tout le reste. Tu es un gros dégueulasse. Et carrément. Tu as toujours été mon préféré. Ils sont bizarres, tes goûts. Allez, on va ouvrir cette porte. Tu viens avec moi? Quoi, là-dedans? Ah, mais non! Si l'ancien moi a réussi quelque chose, c'est bien de verrouiller la forteresse. Elle est parfaite. D'accord, d'accord. Je vais trouver ton appareil de suivi et ressortir. Reste à l'abri. Il faut quand même que tu saches que l'endroit va grouiller de sbires de typhon. Voilà une autre de mes bénédictions, Phoenix. Puisse-t-elle t'aider encore une fois? Yes, nouvelle bénédiction. Je suis avec toi. Alors, tiens donc. Quelle apporte? Reconstitution de la puissance des ailes de Dédale après un achèvement de combo à la hache ou à l'épée dans les airs. Okay. Je ne connaissais pas Arès comme ça. Je l'ai peut-être mal jugé. Toi, le grand et puissant Zeus, impossible. Alors, ouvrir la porte de la forteresse. Je vois qu'il y a un gros groupe d'ennemis là-bas.
C'est la statue d'Arès qui bouge. Ah, il va souffler dans la corne, le thé. Ah oui, non, en fait, ça doit être... La porte doit être reliée aux chaînes de la statue. Ah bah non, il s'en est libéré carrément. Yes. Alors, accès au trésor d'Arès en activant les mécanismes de la forteresse. Peut-être esquiver le groupe là. Le groupe d'ennemis. J'espère que ce soit très utile de les affronter. Je pense qu'on peut monter les murs de la forteresse pour entrer à l'intérieur. Faut qu'on soit obligé de passer par l'entrée quand même. Voilà. Alors. Non, elle s'accroche au mur. Bah voilà, parfait. Bien classe ce secteur quand même, je trouve. Avec cette énorme forteresse. Hein. Le fort d'Ajax. Dans le bâtiment qui est à droite là. Putain, c'est quoi ces bugs graphiques là? Oh 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 oh. Vous avez vu là? Espèce de grosses. Regardez là, des grosses plaques bleues qui apparaissent. Ah, ils ont beau les glitchs. Petit problème d'affichage à cet endroit là. Alors, ouais, bon, ça doit être là-dedans. Hein. Alors, ouais, une dalle sur laquelle il faut marcher. Ça, ça fait quoi? Ça bug, hein. J'ai encore des bugs graphiques. Alors, il va falloir suivre les lasers et marcher sur les dalles, en fait. Normalement, c'est celui-là. Celui qui est à côté. Oh, mais merde, là, il y a des lasers. Je peux pas désactiver les lasers. Pour après, en fait, ça, je pense.
Je vois pas trop ce que je peux faire d'autre. Faire. Putain, ça bug, hein. Qu'est-ce qu'il y a dans ce secteur là? Présent, j'ai pas eu de bug d'affichage. Ah si, c'est bon, j'ai réussi à l'activer. Ah mais c'est parce que je crois que j'ai désactivé un laser là-bas en mettant le bloc. Alors après, est-ce qu'il y a un truc au-dessus? Là, si on suit les lasers, après ça repart là-bas. Ah ok, il est là-bas. Voilà, et la dernière au-dessus. Ouais, parfait. Alors, allons explorer ce secteur. Ah bah c'est l'interrupteur justement. Ah oui, j'en ai allumé un. Ok, bon bah voilà, déjà un de fait. Chercher l'autre en face. On se croit qu'il y a autre chose d'utile à faire ici. Bref, on reviendra plus tard s'il y a des besoins de faire des trucs. Parce que à l'intérieur, là, avec les lasers et la dalle de pression au sol, je sais trop à quoi ça servait. Disponible, mais bon. Est-ce que ce serait pas pour la mettre dedans? Alors, qu'est-ce qu'on a là? Là-bas, il y a quoi?
vieux bug graphique. C'est moche quand même. Salut toi. Tu es là. En bas, le jeter là au-dessus. Là, c'est de puissance. Ah ouais, on va passer. Yes. Suffisant. Mon intention n'était pas de dénigrer Arès. C'était surtout pour s'amuser. Il n'a peut-être pas vu les choses sous le même angle que toi. Il a bien vu que je souriais quand même. Et lui, est-ce qu'il souriait? C'est quoi le rapport? Ah, bravo le père. D'accord. Ben voilà pourquoi c'est aussi compliqué. Ouais, j'ai bien fait d'acheter le pouvoir pour pouvoir soulever les gros blocs là. Bien utile. Voilà, on a accès à ce secteur. Ah ok, il y a des cristaux là. Ah oui d'accord, faut lui mettre celui qui est au-dessus. Voilà, ça a dû en allumer un. C'est bien ça. Alors, je vais continuer d'explorer par là. Oh, un coup de sac. Je croyais que c'était plus profond, beaucoup plus profond que ça. Ouais, bon bah voilà. Et du coup, maintenant, je pense qu'il faut aller là-haut. Mais du coup, il va falloir emprunter un chemin particulier. C'est par là, à gauche. Hein.
En face là-bas. Par contre, je pense que si je déplace le bloc, ça va activer les lasers. Ouais, je pourrais passer au-dessus. C'est pas très grave. Par là, je récupère l'autre bloc, je vais pouvoir l'amener ici et le jeter dedans. En fait. La dalle en bas là, je pense que c'est un piège. Oh putain, c'est facile. J'ai failli la faire retomber tout en bas quoi. J'avais pas calculé qu'il y avait ce bloc au milieu là. Bref. Une fois j'ai eu un peu de chance. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau par là? Il va falloir trouver l'interrupteur. Là. C'est le voleur. Celui qui m'a volé l'essence d'Arès. Ah, c'est là. Et bah voilà, parfait. Putain, encore ces vieux bugs graphiques là. J'ai vu que dans cette zone, hein. Je sais pas ce qu'il y a, où est le problème, mais ouais, un petit souci d'optimisation apparemment. Ouais, faudrait que j'aille récupérer des fleurs jaunes aussi. Nectar de fleurs. What? Il m'a vu? Il me le fait pour moi. J'arrive pas à le toucher à chaque fois, il se fait éloigner. Par phosphore qu'il le tape. Alors, allons voir ce trésor.
quoi ce vieux placage? Ça va, petite sœur. Je me rends. Les Guirons? Impossible! Je t'ai vu! Tu étais pétrifié! Eh ben, les Guirons. Tu es vivant! Je t'ai fait mal? Bien sûr que non. Il en faut bien plus pour m'abattre. Surtout venant de toi. Qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, l'équipage a été pétrifié. J'ai fumé quelque chose avec l'oracle, et c'est à peu près tout. Sauf que ce n'est pas vraiment un oracle. Qu'est-ce que tu fais ici? Il a dit quelque chose sur moi? Non, seulement à quel point la situation était grave. Et à en croire la prophétie, seul un véritable héros peut gagner. Alors... Alors quoi? Eh bien, je suis là pour nous sauver. C'est sûrement pour ça que je n'ai pas fini en statue. Oui, pas sûr. La prophétie parlait de défauts, et toi, je ne t'ai jamais vu commettre la moindre erreur. Allons, elle parle de l'aîné de Tétis. C'est moi le premier-né de maman. Et cet enfant persuadé, ça ne peut être que toi. Donc, je dois te persuader que c'est moi le héros. Compris? Sauf que je ne suis pas une enfant. Non, mais... aucune prophétie n'est totalement exacte. C'est courant. Tu n'as pas eu non plus l'aide du messager ailé. Ah, mais bien sûr que si. J'ai pris ça sur un griffon. Parades, il a piqué la paire en série limitée. Il peut pas faire attention à ses affaires, Hermès. Bon, tu croyais que la prophétie parlait de toi? Non. Non, pas du tout. Alors, ne fais pas cette tête. Et puis, tu n'aurais pas envie de t'attaquer à ce gros monstre tout rouge. Typhon. C'est fou, hein? Tu sais qu'il existe des dieux, ici? Oui, je le savais. Et je rends service à l'un d'eux. Je cherche un appareil de suivi pour trouver celui qui a volé une fiole à Arès. À quoi ça ressemble? Peut-être que j'ai ça. C'est celle de droite. C'est toi le voleur, en fait. On ne sait jamais de quoi on aura besoin sur une île comme ça. Je n'aime pas être pris au dépourvu. C'est bien l'essence d'Arès, oui. Prends-la. Écoute, tu n'as plus à porter ce fardeau. Laisse-moi m'occuper de la suite. Et je sais que tu n'es pas une guerrière, porteuse de boucliers. Je me suis entraînée en secret, je te signale. Et c'est moi que les dieux devront remercier. Je récupère leur essence pour affronter Typhon. D'accord, je te crois. Continue à t'occuper de ces essences. En fait, j'aurai quelque chose à te demander quand les dieux seront redevenus eux-mêmes. Ensuite, tu pourras me retrouver sur la montagne enneigée et m'aider à combattre Typhon. D'accord. Ça me va. Alors parfait. Deux épées valent mieux qu'une. Enfin, disons une épée et demie. Une réunion de famille. Il y a de l'essence d'Arès au menu. C'est ça, va. Et du gâteau. Je vais me couper une petite tranche. Je vais les tuer. Non, toi tu files d'ici. C'est à moi de les affronter. Quoi? Mais... Va-t'en, je peux me débrouiller seule. Allez, laisse-moi m'occuper de ça. Alors, lieutenant fantôme du Tartare... Arrête des ennemis. Protéger. J'ai oublié d'utiliser les potions. Ouais. C'est bizarre comme image. Amusardé avec Arès.
Candidat, non. Ah, il y en a un autre. Son frère. Ah non, ça reste qu'il le sauve. Qu'il la sauve. Tu m'as sauvé. Je tenais à voir ce que devenait ma forteresse et comme je m'y attendais, elle est pleine de méchants qui ont sûrement abîmé les tapis. Tu as trouvé l'appareil de suivi. Je n'en ai pas eu besoin. Je suis tombée sur le voleur, et devine quoi ? C'était mon frère. Il n'a pas été pétrifié. Ah, alors c'était lui, le mortel à qui tu parlais. Il veut que vous affrontiez Typhon sans aide extérieure. Il a envie de mourir. Tu ne connais pas ses exploits. Rien ne lui résiste. En tout cas, tu as réussi une chose que je croyais impossible. Ah bon ? J'étais là. Désespéré comme toujours, sachant qu'il n'y avait aucune chance que tu réussisses, attendant ton échec en somme, et puis j'ai regardé ma statue. Je me suis dit, Phoenix ignore s'il réussira, mais elle y va quand même. Quel courage! Et d'un coup, en un claquement de doigts, enfin, je n'ai pas de doigts, mais j'en ai eu assez de faire l'autruche. Tu n'as pas idée des horreurs que ses mains ont pu créer, les chairs fumantes et frémissantes qu'elles ont caressées. Je crois savoir, si. Non seulement elle n'abîme plus rien, mais elle n'existe même plus. Et ça, c'est insupportable. Alors, terminé. Je ne veux plus être un poulet. Oui, tu as retrouvé ton ardeur. Tu vas être content de savoir que j'ai repris ça. Je sens son pouvoir. J'en ai la chair de poule. Tiens. Accepte ma bénédiction en remerciement. Tu la mérites, guerrière. Merci, Ares. Je dois m'en aller d'ici. Retrouve-moi à la Halle des Dieux. Je pourrai sans danger y effectuer ma métamorphose. De poulet à puissant, de cocotte à cogneur, de picoreur à punisseur, de cacteur à casseur de... Oui, oui, doucement ou Aphrodite risque d'avoir peur. Je te rejoindrai là-bas. Tandis qu'Arès regagnait triomphalement la Halle des Dieux, Phénix se remémora ce que lui avait appris le dieu de la guerre. Que le poulet trop cuit, c'est fade et filandreux. Que le vrai courage n'est pas l'absence de désespoir, mais le fait d'en triompher. Ares n'est pas connu pour faire les meilleurs choix, mais c'est vrai qu'il finit toujours par rejoindre le bon camp. Ouais, ouais, ouais. Bon, bah, c'est cool. Ah, Goff qui traîne. Ouais, bah, du coup, on a fini, je pense, la quête d'Ares. Il n'y a plus qu'à retourner le voir pour lui refiler son essence. Je sais pas trop s'il y a quelque chose au-dessus. Je vais aller voir ça. Ouais, bah non, il n'y a rien l'air d'avoir. Ouais, non. Bref, bon alors. Du coup, faut aller à la Halle des Dieux.
Mais avant, en fait, je vais aller récupérer des fleurs, des nectars de fleurs. Parce que faut que je fasse des potions, et vu que les potions, faut les faire à l'âle des dieux. Autant d'abord aller récupérer les ressources. Alors, voyons voir si j'avais bien repéré que... Alors là, il y a pas mal de fleurs jaunes. Un secteur à fleurs jaunes. Ne vous inquiétez pas les sangliers, je ne suis pas là pour vous buter. Ouais, il y a vraiment de partout ici. C'est quoi au-dessus là? Il y a un coffre. Bon, on peut faire des potions là. Ouais, bon, je les ferai une fois arrivé à l'âle des dieux. De toute façon, faut que j'y aille dans tous les cas. Je suis en train de quitter le secteur. Ah bon, je pense que j'en ai déjà récupéré un bon paquet. Il faut aller voir si j'en retrouve un peu par là-bas. Au moins c'est bien, si j'en ai de nouveau à devoir en récupérer un certain nombre, je sais où les trouver. Il y en a vraiment beaucoup ici. Voilà, voilà. Bon, je pense que j'ai récupéré un maximum.
J'en ai loupé beaucoup. Allez, action là, le dédieu. Ah oui, c'est vrai qu'il m'a filé sa dernière bénédiction, j'aime bien regarder ce que c'était. Donne-moi un autre. Et alors, j'ai vu une nouvelle paire d'ailes aussi. Genre comme s'il y avait de l'espèce de lave qui coule. Je vais remettre celle-là, je préfère. Alors, la bénédiction, ça fait quoi? Quatrième niveau attribué au compteur de combo. Et 84 coups portés. Pas trop ce que c'est ce délire de niveau là. Exemple de ton héroïsme. Non, bref, c'est pas très grave. Hein. Je ne sais pas. Il y a la fois où j'ai attaqué un ver de terre particulièrement violent. Oh, quel suspense! C'est vrai? D'accord. Alors, le ver a essayé de riposter. Il s'est entortillé autour de ma patte. J'ai cru qu'il voulait m'étrangler. Alors, j'ai donné des petits coups de bec, tu vois? Et tu as tué ce petit vermisseau, mon bel emplumé? Tué? Eh bien, non. Sa peau était très très dure. Mais je l'ai presque écorché. Une victoire éternelle. Tu es là! Mais dans quel état? J'y ai laissé pas mal de plumes, à cause du stress. C'est parce qu'Aphrodite est ici? Tais-toi! Non! J'ai l'air de quoi? Là comme ça, d'un poulet. Mais ça va bientôt s'arranger. Bon bah, on s'en occupe maintenant. Écoute, je ne suis pas doué pour les remerciements, mais tu m'as sorti de la panade. Malgré quelques prises de bec. Pourquoi? Oui, débarrasse-moi de mon apparence de gallinacé. Pour sortir triomphante, je vais avoir besoin d'un allié de poids. Je fais appel à la force de ta rage, Arès, dieu de la guerre. Combat à mes côtés. Yes. Bon ben, il reste plus qu'un dieu à sauver, je crois. Ah, là, c'est mieux. Ah, où est le champ de bataille? Qu'on me jette une arme! Il faut que je frappe quelque chose! Oui, Arès. Ça ne va pas tarder. Tout me revient maintenant. Tu as trouvé ce que tu allais dire pour regagner le cœur d'Aphrodite? Mais qu'est-ce que je suis bien foutu! Je vais laisser parler mes bêtes. N'importe quoi. Oui, contente que tu te sentes mieux. C'est grâce à toi, Phénix. Mais nous n'en avons pas fini. Quand tu reviendras, j'aurai des tâches à te confier. Il est temps de remettre de l'ordre ici. Et ben voilà. Alors, je vais vite fait. Nouvelle quête, Jartel. Il y en a une autre aussi. Alors, j'ai gagné un casque. Ah bah, c'est le truc d'Arès. Ouais, plus 26% de dégâts avec Courroux d'Arès. Et plus 30% à l'étourdissement avec Courroux d'Arès. Et c'est quoi le Courroux d'Arès? C'est le nom d'une bénédiction? Bah non. C'est une arme. Bah non, m'en manque une encore. Il m'en manque deux.
j'ai pas assez de pièces. Ouais, c'est bien ça, il reste encore un dieu à faire revenir. Ouais, ouais, j'en ai pas assez pour en refaire. Qu'est-ce qu'on peut prendre du coup? Tout l'étourdissement. Ouais, je sais pas ce que c'est, Koru d'Arès. C'est peut-être une arme. J'ai regardé. Après, je l'ai peut-être pas encore l'arme aussi. Je sais pas. Alors voyons voir ces quêtes qui ont été activées. Elles sont où? Ah mais elle est là en fait. Elle est là où je suis. Hein. Donc du coup bah je vais essayer de lui reparler. Ah bah ouais, c'est ça, il faut lui parler. Alors, ô dieu de la guerre, je parie que ces tâches sont de nature militaire. Ça, tu peux le dire. Ô douce vengeance, Typhon va bientôt sentir sa douleur. Et avant, tu vas aller dire deux mots aux Spartes qui se sont moqués de moi quand je n'étais qu'un oiseau. Tu y gagneras une armure de premier ordre. Il suffira de la prendre sur eux. Ce n'était pas très malin de leur part. Se moquer de quelqu'un dont le nom se termine par « de la guerre ». Les Spartes ont plus de muscles que de cervelle. Mais je veux que tu leur montres qu'ils ont vraiment eu tort. Arrache-leur les plumes et fais-en un coussin. Je les retrouverai, pour toi. L'autre tâche que j'ai à te confier est d'une importance cruciale. Elle fait appel à une jarre en bronze. Et je n'en dirai pas plus. Ça me dit quelque chose. Ce ne serait pas la jarre où tu t'es retrouvé... Non. Tout ce que tu dois savoir, c'est que j'ai besoin de cette jarre. Tu la trouveras au brisant. Rapporte-la intacte, et tout se passera bien. J'ai compris. Alors... Vaincre les... Partez récupérer la mur d'Arès. Il n'y avait pas une autre quête? Il me semblait qu'il y en avait deux. Ah, l'autre, elle est là. Trouver la jarre au brisant. Bah bon, je vais aller faire celle-là, les plus proches. On ira faire les autres, de toute façon. Ouais, sur cette session, je vais rester concentré sur les quêtes. Et je pense que la prochaine, on repartira en exploration. J'irai finir le bois de Cléos. Vu que la zone n'est pas très grande. Et puis après, j'enchaînerai avec l'antre de la guerre. Je commence à récupérer des trucs aussi. Du coup, ici, il y a toujours un portail que j'ai pas ouvert. Hein. Pas trop pourquoi. Alors que quand je regarde la carte, ça m'indique que je l'ai terminé le truc. Ouais, désolé, je voulais faire trompette. Alors, zone de quête. Voilà, la fameuse jarre en bronze. Je vais la rapporter à Arès.
Du coup, il me restait quoi à faire dans le secteur? Ouais, si j'ai un coffre. Il y en a un autre là aussi, d'ailleurs. Non, il est fait celui-là. Non, il a pas l'air d'être fait en fait. En fait, c'est celui qui est à côté. Il y a un autre coffre qui est juste à côté. Que j'ai fait, mais lui, je crois pas que je l'ai fait. Ouais, bon, bah, du coup, on va aller récupérer le coffre en face. Il me semble que c'était des ennemis qui étaient un peu costauds, mais là, j'ai pas mal monté de niveau. Donc, je pense que ça devrait le faire. Mais qu'est-ce qu'elle est nulle, cette nage, là. Je sais pas pourquoi ils nous ont posé une nage aussi moisie. Qui nage comme ça, sérieusement? Donc l'endurance remonte un peu là. Alors, ils sont où? Ah oui, c'est eux là-bas. C'est de le cyclope. Ah yes, nouvelle hache. Alors, qu'est-ce qu'elle apporte cette hache? Plus 26% de dégâts avec un achèvement tournoyant à plus 30 sur la jauge de combo. Plus 5 supplémentaires à la jauge de combo pour parade parfaite. Ouais. Très intéressant. Dommage parce que le skin est pas mal. Mais ouais, l'autre elle est mieux. Bon alors apparemment j'ai suffisamment de ressources pour améliorer une nouvelle arme. Bien ça tout à l'heure. Ouais bon bah du coup je crois que j'ai fait tout ce que j'avais à faire dans le coin. À moins que j'ai loupé quelque chose, mais je pense pas. Du coup, on va aller récupérer l'autre coffre qui est un peu plus haut. Là. Ah oui, il y en avait un là aussi.
profiter quelque chose dans le secteur, je vais aller le récupérer vite fait. Je me demande pourquoi je l'ai pas récupéré. Ok, c'est dans l'ouverture qui est en face là. C'est vrai que je l'avais pas trouvé la première fois. Ouais, bah c'est bien ça, mais ah ok. Destructible là-haut. Ouais, heureusement que je pouvais créer la statue là. Elle est quand même bien utile hein, cette statue. Ouais, bon bah voilà, il reste plus qu'à celle qui est le coffre qui est là-haut. Là. Puis après, bah, on ramènera la jarre à Adresse. Et puis on enchaînera avec son autre quête, quoi. Il me semblait que je l'avais déjà récupéré ce cas. Par contre du coup il est où là? Il est plus bas. Ah ok.
Ok, ok. De toute façon, je pense pas que j'aurais pu le récupérer avant, vu qu'il fallait le pouvoir pour porter le bloc. Bon bah voilà, je pense qu'on a complètement terminé la première île. Comme c'est qu'il n'y a pas de réel indicateur du nombre d'objets à trouver dans les lieux, quoi. Donc on sait pas si on a tout découvert ou pas, quoi. On verra peut-être qu'à la fin ce sera indiqué, je sais pas. Une fois qu'on aura fini l'histoire principale, il y aura peut-être moyen que ça affiche des informations supplémentaires. Oh, Arès, mon amour. Barel. Es-tu de nouveau divin? Ouais, bon, je vais améliorer l'âge parce que c'est celle que j'utilise le plus, de toute façon. Tu n'as plus rien d'un poulet? Je suis divin de partout, Aphrodite. Pourquoi me demandes-tu ça? Quoi? Oh, pour rien. Il vaut mieux que certains fantasmes demeurent inassouvis, j'imagine. C'est quoi ce vieux regard qui me lance? Dès qu'ils ont eu fini de parler, ils viennent me regarder. Je l'ai trouvé, ta jarre. Ah ah! Donne-la-moi. Douce. Je connais cette jarre de par mes risques. Ah, il y a eu un bug au niveau de la voix. Ils ne m'ont pas enfermé, je suis tombé dedans. Quoi qu'il en soit, ça n'a rien à voir. J'y ai caché quelque chose d'important, que seul quelqu'un de ta taille peut aller chercher. Alors, au travail. Il faut que j'aille à l'intérieur. Qu'est-ce que tu as caché? C'est une urgence, je te signale. Je me souviens que mes filles, les Amazones, ne me parlent plus. Eh bien, il y a quelque temps, j'ai emprunté à Aphrodite une ceinture pour l'essayer, disons, comme font les gens. Et je ne savais pas que j'allais me retrouver enfermé dans une jarre. Bref, j'ai perdu cette ceinture. Et pas question d'aller la rechercher. Plus jamais. Qu'est-ce que ça a à voir avec les Amazones? Et j'avais offert à leur reine Hippolyte une ceinture. Alors, je la lui ai emprunté, et je m'en suis servi pour qu'Aphrodite ne se rende pas compte que la sienne avait disparu. Je rêve. Tu attends de moi que j'aille là-dedans uniquement pour que tes filles t'adressent à nouveau la parole? Plutôt pour qu'Aphrodite ne s'aperçoive pas que sa ceinture tire des flèches enflammées, mais oui. D'accord. Merci, Phénix, tu me sauves. Il suffit de te pencher. Allez, vas-y. Une sorte de crypte, à mon avis. Ouais. Ok, niveau de difficulté 3, ça a l'air d'être un affrontement. Je suis dans une jarre. Eh oh! Arrête! Je t'entends et je te vois, petite guerrière! Je vais t'aider, ici! Tu sais, tu aurais pu sauter toi-même dans la jarre. Et moi, je t'aurais aidé de là-haut. Ordinaire, bon, exceptionnellement, il faut que tu sois. Et surtout, tu gardes ça pour toi. Yeah.
J'ai pas pensé à regarder s'il y a des coffres. Je pense pas. Vu que c'est une crypte un peu particulière. Alors c'est là-dedans qu'Arès a vécu pendant 13 mois. Ah, c'est gentil. Ça l'aurait tué de passer un coup de peinture et de dérouler un tapis? C'est toi qui as ordonné de punir les géants, tu te souviens? Hé, ils ont voulu enlever ma femme. J'aime pas partager. Elle, elle adore. Est-ce que... Oh oui! C'est la ceinture magique d'Aphrodite. Jalouse? Hein? Mécanismes, ils sont bloqués. Hé, hey, Arès, un petit coup de main? Au shaker, pas à la cuillère! Qu'est-ce qu'il raconte? Ah, il se met à secouer la jarre, du coup. Ah, c'est bon. Il a débloqué le truc. J'ai le droit de la toucher? À croire que tu as passé un an là-dedans. J'ai le dos en compote. Ça reste un très mauvais souvenir. Bon, où est-elle? La ceinture d'Aphrodite? Je l'ai ici. Ça te va bien? On dit souvent qu'il vaut mieux faire l'amour que la guerre. Je veux bien reconnaître que tu as raison, mais ne le répète à personne. À personne, t'entends? Tu as ma parole. À ce propos, il est temps de procéder à l'échange de ceinture avec Aphrodite. Je te demande combien de bleus je vais récolter cette fois. On dirait que ça te fait plaisir. Ah, d'accord. J'ai compris. Elle préfère mieux oublier ça. D'accord. Tu veux acheter? J'ai des choses à vendre. Ouais, bon bah voilà, une bonne chose de faite. Hein. On va aller faire l'autre quête qu'il a proposée. Bon, je vais en profiter pour récupérer l'ambroisie. Ça, je pourrais l'augmenter d'un niveau. J'essaie de passer en courant avec le cheval. On va pas pouvoir m'attaquer. Yes. Ah, j'ai pas vu qu'il y a de l'eau là. J'ai vu qu'il y en avait, mais je pense pas que c'était aussi profond. Apparemment. Hey.
On dirait vraiment qu'il meurt d'envie de se faire braquer, Arès, à garder tout son butin à l'intérieur comme ça. Tu ne chercherais pas à justifier tout ce que tu lui as dérobé ? Oh, tout de suite. C'était pour me rembourser ses frais d'éducation. Et alors, l'Ambrosie, elle est encore vivant là-bas. Prendre ce secteur, pour l'explorer, c'est un peu relou. Hein. Vachement vertical, en fait. Du coup, on peut pas vraiment voler de partout comme on fait dans les autres zones. Allez. Alors, elle est en dessous. Par où ? Ah, là-bas. C'est bizarre cette histoire là. Il y a un trou dans le toit. Il y a un vieux cristal rouge là-dedans. Merde, j'ai plus d'endurance. Allez, alors, secteur de quête est par là. Une fausse grotte. Au nom d'Arès, Phénix trouva un élément d'armure brisée. Elle allait devoir en chercher l'autre moitié. La Vénarde, accomplir une vengeance. C'est mon jeu favori, ça. Venez. Quand même. Il y a encore plein de trucs que j'ai pas découvert. Ouais, bref, j'espère vraiment qu'à la fin il y aura moyen de faire apparaître tous les trucs parce que s'il faut tout repérer comme ça à la longue vue, on n'a pas fini.
J'ai vu qu'il y avait un truc sur le toit là. Il semblait que c'était un cristal bleu. Phoenix remarqua qu'elle était en mauvais état. Dommage. Parce qu'on n'est pas vraiment au pays de la forge. Rallumer la forge des dieux. Alors, elle est où la forge des dieux? Ah, forcément dans un secteur qu'on n'a pas encore exploré. Ouais, bon ben du coup, on finira cette quête la prochaine fois. Ou sinon, on y va et puis on déverrouille la zone. Attendez, je regarde l'heure qu'il est. Ouais, ça, j'ai encore une demi-heure devant moi à peu près, donc je pense qu'on devrait avoir le temps d'aller jusqu'à la statue, faire apparaître la zone, puis après on ira la... allumer la forge. Alors, du coup, on va partir d'où ? Comment se fait que j'ai l'autre marqueur, il a pas disparu ? Ah mais si, il a disparu. Ouais, bah écoutez... de la statue. Je me demande si je peux pas passer par ce côté, ce sera peut-être plus rapide. Ouais, je pense que ça peut être plus rapide par là en fait. Ouais, comme ça, ça va nous permettre de voir un peu à quoi ressemble la zone suivante. Après, il restera la dernière qui est au nord totalement. Qui est la zone enneigée quoi. Et là il me semble que la zone où on va c'est une zone style un peu désertique. Ouais, une espèce de champ là. Bah ouais, forcément il y a plein de trucs que j'ai pas découvert encore. Il me semblait avoir regardé un peu partout. Ah. Ouais. Alors attendez. Je me demande si je monte au sommet du bâtiment, il y a peut-être moyen de voler plus loin du coup. Ouais, ça va me faire passer pas mal de temps pour pas grand chose. Allez, on va y aller comme ça. Et on continuera à dos de cheval. Moins de licorne pour le coup. Après là au moins c'est moins casse-gueule que la zone de l'entre de la guerre. Il n'y a pas autant de, comment dire, de dénivelé et de verticalité. De la forge. Alors, je vais passer par au-dessus là. Ah.
Ouais, parce que la statue, elle a l'air d'être là. J'avais mis un marqueur là-bas, en fait. Ah, mais ouais, mais en fait, je pense qu'elle est pas située exactement au même endroit. Dieu de la forge. Une grande statue, c'est trouver une enclume. Un objet en soi vulgaire, mais qui pouvait donner naissance à la beauté. Et là se trouvaient les tenailles d'Héphaïstos, qui l'enfonçaient profondément dans les feux ardents et l'eau glacée. Enfoncée. Car ces créations exigeaient des températures extrêmes. Quoi ? Non mais c'était... C'est tout ce qu'il pouvait faire, parce que, enfin tu vois, franchement... Il suffit de le regarder. On peut pas dire que... C'est bon, tu as fini ? Oui. 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 Alors, je pense qu'il va falloir monter sur le marteau du coup. Vu que c'est le point le plus haut de la statue. Enfin, après une longue escalade, Phénix atteignit le gros marteau d'Héphaïstos. Oh, pardon, pardon, non, j'arrête, promis. Non, c'est là-bas. Ah, la contrée de la forge. C'est bien, on voit rien du tout. Je pense que c'est parce qu'il y a la nuit qui est tombée dans le jeu, du coup on voit rien. Ce sommet majestueux. Tu nous fais le guide touristique ou quoi ? Les créations de jadis, dévastées par l'inextinguible soif de destruction de Typhon. Oh. Quelqu'un a vécu, a travaillé, et apparemment a été heureux, ici. Certainement pas Héphaïstos, alors. Ce peureux qui chiale et se plaint tout le temps. Il n'a jamais souri de sa vie. As-tu jamais écouté un seul mot de son histoire ? Les choses ont changé. Yes, bah voilà. Ouais, c'est parce que le fait d'avoir vu la carte un peu jaune, je pensais que c'était une zone un peu désertique, mais en fait non. Ce sont des champs. Ouais, bon, alors cette quête, on s'en occupera plus tard. Hein. Je vais d'abord aller m'occuper de celle-là. Non, c'est pas ça que je vais faire. Je vais faire passer le temps pour arriver dans la journée. Voir si on a une meilleure vue en fait. Parce que là, il y a comme un espèce de voile un peu bleuté, on voyait pas très bien. Ah voilà, mieux les gens. Ouais. Ouais, c'est un sacré terrain de jeu hein, quand même. Et ouais, la dernière île là-bas, je pense qu'elle va être un peu relou à explorer. Peut-être qu'elle soit hyper verticale. Ouais. Bon allez, on va voler en direction de la forge. Jamais auparavant, les yeux d'une mortelle ne s'étaient posés sur quelque chose de si grand, de si munificent, de si spectaculaire, de si... Bon, ça va. Tu vas arrêter de t'exciter tout seul, oui. Et ouais, on a de l'ennemi par là. La forge d'Héphaïstos est tellement belle. Bah ouais, mais bon, elle est verrouillée la forge aussi.
Alors, comment on va faire pour entrer là-dedans? Au milieu, je les sens pas trop, hein. Ça a l'air d'être des mechas. Hein. Ouais, ça va. C'était quand même relativement résistant, mais heureusement, j'avais amélioré ma hache avant, du coup, elle était relativement puissante aussi. Reconstitution de 45% d'un fragment d'énergie lors d'un coup porté avec achèvement tournoyant. Reconstitution de 160% d'un fragment d'énergie lors d'une parade parfaite. Ouais. Bof, bof, bof. Alors, j'ai vu qu'il y avait un levier en face, là. Dans le temps en plus, donc s'il y a ça, c'est qu'il doit y avoir des trucs à faire là-haut. Faire apparaître le cheval, ah non. Je m'en doutais. Je me suis dit, je vais quand même tenter le coup. Ah, encore un ennemi. Hein. Je n'avais pas encore fait cette attaque. C'est mal hein, quand même. Vivement que je réaméliore mon armure là, parce que bon,
c'est un peu limite. Bon, voilà, ça c'est fait. Alors, qu'est-ce qu'on a par là ? Je pense pas que je puisse monter plus haut. Petit coffre, ouais, bon bah malheureusement ça me dit pas comment ouvrir la forge. Là je pense que du coup il y a de la fumée qui est censée sortir de là. Où je me suis battu contre les autres là. Il y a le même genre de fourneau. Il y a vraiment rien d'indiqué quoi. Là il y a ces trucs pour pouvoir reprendre de la hauteur aussi. Mais eux, moi je vais rentrer. Ouais, c'est assez étrange quand même. Actuellement, quand il y a des, quand on a des barrières comme ça qui bloquent l'accès à des zones, y a, aux alentours, on arrive quand même à repérer les trucs. Là, il y a que dalle. Il y a une espèce de fourneau là aussi.
porte devant, là, il y a un truc qui m'intrigue. C'est bizarre ces fourneaux là. Oui, une entrée là-bas en dessous. Ce monde est à moi. À nous. À moi. Non. Oh putain, du coup il m'a envoyé le spectre d'Ulysse. Se casser. Je suis de retour devant l'entrée de la forge. M'emmerder. Oh waouh. C'est quoi ce délire? Il y a des ennemis qui apparaissent. C'est peut-être ce que je suis en train de faire, je peux faire. Ouvrir la forme. Avait pour lors échappé au spectre et à la rage. Mais elle savait que c'était fou. Voilà. Alors, bon bah du coup, je pense que c'est ce que je viens de faire, il faut faire. Ouais, regardez, ça a mis en route le truc là. Celui-là, il s'est pas mis en route, par contre. Alors, je vais regarder aux alentours. Ah, ça a tout mis en route, là-bas. D'accord, attendez, il y a une autre tour dans le même style, là-bas. Ouais, normalement, il va falloir l'allumer aussi. Donc, il va falloir éliminer quelques ennemis aussi.
Bah voilà, parfait. Un autre fourneau d'allumé. Et je pense qu'il doit falloir faire la même chose de l'autre côté. Elle s'est fait frapper, elle ne veut plus revenir. Et quoi dans ce trou? Elle est du charbon. Quand même beaucoup de monde qui me poursuit. Ils aiment pas trop le charbon à travers la gueule. Voilà. Merde, mais je croyais que j'avais jeté à l'intérieur. Ah mais non, j'ai jeté. J'étais trop occupé avec les ennemis, j'ai pas eu le temps de le faire. Voilà. Alors, bon, bah, ce fourneau, c'est fait. On va voir si on a au-dessus. Ouais, on a en face, là-bas. J'ai genre tout à côté. Est-ce qu'il y a du charbon? J'ai bien voulu leur envoyer à travers la gueule. Ouais, comme par hasard, cet endroit-là, il n'y a pas de charbon. Yeah.
Voilà, bien, il y a le cyclope qui se ramène. On est de fous, plus on rit. Chercher du charbon. Ah bah oui, c'était pour ça qu'il y en avait dans le trou. Ah, je pensais qu'elle arriverait à faire le double saut. À part ici, quoi. Voilà, allez. Bon, en espérant que ce sera bon, qu'elle sera ouverte après. Pas eu de petite mélodie qui m'a dit que j'avais réussi à rétablir le truc. Donc je pense qu'il y a encore des trucs à faire. Parce qu'en plus sinon ces mécanismes là je pense qu'ils se seraient mis en route. Ouais, je vois pas trop où est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres fourneaux. De hauteur pour regarder aux alentours. Voir si je trouve pas d'autres trucs à faire. Ouais, puis sinon après je pense que du coup j'arrêterai là parce qu'on arrive bientôt à 2 heures de jeu. Vu que YouTube a des gros problèmes pour valider les vidéos. On dirait en haute définition. Je préfère mieux en faire des pas trop longs. Ça me permet de facilement mettre les vidéos en HD. Quoi. Alors, voyons voir en contrebas. Bah écoutez. Bien allumer les fourneaux. Hein. Est-ce que ça aurait changé quelque chose là-haut?
Ben non, ça a rien changé. Ouais, parce qu'en plus les fourneaux qui sont derrière, ils sont déjà allumés, donc je crois que ce soit ça. Que ça aurait un lien avec la statue qui est au milieu là. Parce que là, ouais, franchement, je pose quoi faire d'autre. Il y a toujours ces deux mécanismes là qui sont pas allumés, celui-là et celui-là. Alors que là, il bouge, là aussi. Là-bas au fond aussi. Enfin, je n'étais pas venu pour repérer des trucs, mais bon. je les vois apparaître, donc autant les valider. Ouais, je sais pas. Peut-être la statue, ou sinon là-bas, je sais pas. C'est vrai que j'ai pas regardé derrière, mais voilà, comme je dis, regardez ceux de derrière, ils sont allumés en fait. Ah oui, c'est vrai qu'il y a cette pièce-là, il y a peut-être quelque chose à faire dedans. Parce que là, en plus, les trucs sur les côtés, ils sont allumés, quoi. On dirait que les fourneaux, ils tournent. Il y a un petit brasier devant chacun d'eux. J'essaie de trouver... une logique dans le décor, mais bon. Je n'en trouve pas. Et je suis sûr que je suis sur la bonne voie, là. D'avoir allumé les gros fourneaux, mais... Je vois pas trop ce qu'il faudra faire d'autre après. Je vois pas. Ouais, je pense pas que ce soit là-bas en bas, mais bon. C'est vraiment étrange, hein. Ah!
Bon, après, je me pose la question si c'est pas lié à la quête du dieu de cette zone-là, en fait. Bon, je sais pas lequel c'est, mais... Du coup, savoir s'il faudrait peut-être pas continuer, en fait, l'histoire principale avec, justement, le dieu de ce secteur-là pour déverrouiller la forge. Parce que là, franchement, je vois pas comment... J'ai mis en route tout ça là, et bah, en toute logique, ça devrait se mettre en route aussi. Attendez, je vois qu'il y a un trou. Est-ce qu'on peut tirer une flèche à l'intérieur? Ok. Et un vieux mur à la fin du trou, quoi, c'est magnifique. Bon, de ce côté, ça doit être pareil. Ouais. Donc, ouais, je comprends pas là pourquoi. Alors qu'ils sont juste à côté, je vois pas pourquoi l'autre n'a pas pris le relais, quoi. Qu'est-ce que j'ai pu faire qui fait que ça veut pas s'enchaîner, quoi. Ça veut pas s'allumer lui aussi, quoi. Ouais, ça sert à rien tout ça. Je pense pas qu'il y en ait qui soient en dessous. Comme ça, je pense pas que ce soit un flanc, j'ai bouffé le nom. J'allais dire un flambeau, mais c'est pas un flambeau. Enfin bref, voilà, vous voyez ce que je veux dire, ces trucs là. On sait qu'il y en avait peut-être en contrebas, mais apparemment non. Bref, ouais, bon bah écoutez, je sais pas trop ce qu'il faut faire d'autre. Donc bah écoutez, la prochaine fois, du coup j'irai faire de l'exploration. On va juste terminer, on va retourner au truc des dieux, à l'âle des dieux. Je peux améliorer vite fait Phoenix. Et puis ouais, bah du coup, pas la prochaine fois, parce que la prochaine fois je vous dis on ira faire une petite session d'exploration. Mais celle d'après je reprendrai la quête principale. En m'occupant pas de celle d'Arès, en m'occupant d'abord de celle de la zone là qu'on vient de découvrir. Maintenant que j'ai retrouvé ma voix, que dirais-tu reprendre le passé ? Alors, voilà. Une petite barre de vie. Si par facétie, tu entends faire un bain de sang sur un champ de bataille et me laisser un peu à conduire aux enfers, non merci. On va refaire le plein. Tu n'as pas besoin d'un équipe, seulement d'un nettoyeur. Ouais, et puis ça je pense que j'ai pas assez de pièces. Ouais, j'en ai pas récupéré. Bref, bah voilà, du coup on va arrêter là. Et puis bah écoutez, j'espère que cette nouvelle session vous a plu. Je vous souhaite bon jeu à toutes et à tous. Et on se retrouve bah, demain sur la chaîne pour la suite de notre aventure sur Immortals Phoenix Rising. Allez, ciao ciao.